Salut à tous. Si ta journée de travail ne ressemble pas à ça, ou à ça, tu peux t'estimer très chanceux. Aujourd'hui, on va se pencher sur les erreurs les plus ridicules sur les lieux de travail. C'est parti. À en juger par la quantité de poussière, non seulement ces gars font du mauvais boulot, mais les nettoyeurs aussi. Leur patron n'a pas réussi à les retrouver depuis. Que se passe-t-il si tu n'abaisses pas la benne d'un camion à benne? Ce conducteur de Virginie le sait très bien. Heureusement, personne n'a été blessé, à l'exception du véhicule. Il a été nécessaire de fermer quelques voies pendant un certain temps. C'était beaucoup plus sûr quand le camion était couché sur le côté. They said, is that good? Is that good? What the chicken f***? Ain't that good? Au moins maintenant, il passera sous le pont sans le moindre problème. Comment faire pour transformer un problème en deux en un instant ? La seule véritable façon de tester la solidité d'un casque de protection. Heureusement que les propriétaires ont installé des caméras dans leur maison. Ainsi, ils sauront qui doit les dédommager pour les dégâts. Si tu vois quelque chose de similaire dans tes pneus, tu ferais mieux de t'arrêter et de prendre le bus. Même si ce qu'on
conducteur n'ait jamais monté sur un manège, c'est maintenant ce que ça fait. Les personnes vivantes au deuxième étage ont eu assez d'excitation ce jour-là, pour un bon mois. Imagine la réaction du conducteur quand il s'arrête pour fumer. Il a clairement embelli deux ou trois choses sur son CV, lui. Quelque chose me dit que cette nouvelle technologie de réparation a besoin de subir d'autres tests. L'essentiel, c'est de ne pas trop le gonfler pour qu'il ne finisse pas par éclater. Ça aurait pu être bien pire. Heureusement, seul le 4x4 a été touché, et non les deux véhicules. Ils disent que c'est un ruban adhésif spécial très cher. Peut-être qu'ils disent ça pour rassurer le caméraman. Ce sac a déjà reçu un appel de la fédération de MMA. Quand les enfants lancent accidentellement le ballon dans le jardin du voisin et qu'ils n'entendent pas de verre se briser, ils pensent qu'ils n'ont rien à craindre. Mais parfois, voilà ce qui se passe en réalité. Ne t'inquiète pas, c'est juste que ce contremaître préfère superviser personnellement le travail.
En même temps que son paquet, ce pauvre gars y a laissé son âme. You might. Yes! Oh my god! Espérons qu'il soit plus doué pour ramasser les ordures que pour les jeter.姐，你这能擦干净吗？那是字儿动，上面不动。干啥的？我路过，大姐。你路过的，我都在这干五六年了，我就不如你、啊。J'avoue que j'ai pas compris la première fois non plus. Laisse-nous un j'aime si les conteneurs se seraient déjà envolés si tu étais chargé de cette tâche. Lorsqu'un produit porte la mention « testé par des professionnels », le test ressemble parfois à ça. Voilà le dompteur de barres d'armature en action. Le gars est prêt à décoller. Même le signe qu'il avait entre les mains ne lui donnait pas plus d'autorité. Il l'a pas abandonné. Oui, oui, dai mai dai mai mai. Tu peux critiquer ses méthodes, mais pas ses résultats. Lorsque ton patron te dit que tu dois terminer le travail au plus vite. Et bien maintenant, la bouteille est bien pleine. Tes amis te donnent le numéro d'un mécano qui peut tout faire pour 3 fois moins cher que la compétition. Toute personne
personne qui s'y connaît un peu en physique comprendra immédiatement l'erreur qu'il a commise. Le problème n'est pas seulement ses faibles compétences, mais aussi ses très mauvais réflexes. Qu'est-ce qui a inspiré ceux qui ont construit la tour de Pise ? Un vrai maître de son métier agit toujours comme s'il savait ce qu'il faisait, même quand c'est pas toujours forcément le cas. Tu attends sans doute que ces boîtes tombent, mais ce qui va se passer est encore mieux. Oh ! Oh ! Oh, man ! Oh, yes ! Il fait partie de ces personnes qui voient le but, mais pas les obstacles. Est-ce que tu sais qu'il existe une machine spéciale pour tester les casques de sécurité en simulant des chutes d'outils ? Bien qu'on sache déjà qu'il existe une meilleure façon de procéder. Accélérer pour gagner du temps, mais prendra des heures à ramasser tous les cartons. Quand même le mécanicien ne sait pas quoi faire. Je parie qu'à la base, ça devait être un tutoriel vraiment sympa. Mais on n'a plus de toit digne de ce nom, mais ils ont un chauffe-eau solaire. J'espère que personne ne décide de fumer pour essayer de se calmer. Quand il rentrera à la maison une semaine plus tard, il racontera à sa femme comment il s'est retrouvé coincé au boulot. Lui, il est clairement payé à l'heure.
ne fait jamais de mal de se rafraîchir au travail. Ces talents de conduite de chariot élévateur ne se débloquent que lorsque le patron est déjà parti. Ont sans aucun doute oublié de feuilleter le mode d'emploi de cette pelleteuse. Il a probablement été surpris lorsqu'il a regardé en arrière et a vu pourquoi ce chariot élévateur n'avançait pas correctement. Il manque un petit peu de ciment dans cette eau. Ils ont dû démolir ce mur de toute façon, alors ils ont décidé de filmer une vidéo comique pendant qu'ils le faisaient. Les fêtes d'entreprise organisées ici doivent être géniales. Un classique sur notre chaîne, les conducteurs qui ne se rendent pas compte de la taille de leur véhicule. Je pense que sa période de probation durera encore quelques semaines. Est-ce qu'ils l'ont au moins prévenu qu'il devait apprivoiser cette bête ? Les travailleurs savent exactement ce que c'est le parfait équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il a choisi le pire moment possible et la pire voiture possible pour faire un drift. Si tu regardes les choses sous un autre angle, tu verras qu'il s'est juste un petit peu étiré. S'ils voulaient le mettre au rebut, ils ont fait du bon boulot. Je ne serais pas surpris qu'ils aient déjà choisi le papier peint pour l'intérieur.
détruire la nature, ces gars ont décidé de déplacer cet arbre dans un autre quartier. Se demande toujours pourquoi il arrive avec beaucoup moins d'affaires que lorsqu'il est parti. Voilà de quoi te rappeler gentiment d'utiliser les outils dans le but pour lequel ils ont été conçus. Yo. Voilà le collègue préféré de tous. On ne sait toujours pas à quoi penser ces pros quand ils ont bloqué la boîte à disjoncteurs. Ce genre de choses arrive toujours 2 minutes avant la fin de sa journée de boulot. La rénovation de ton appartement prend sûrement autant de temps parce que les ouvriers n'ont pas de rallonge électrique. Laisse tomber l'équilibre entre le travail et la vie privée. Ce type sait parfaitement équilibrer le boulot et le repos. On commençait à oublier pourquoi les femmes vivaient plus longtemps que les hommes.